Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo présentation d'album. Alors c'est un album que j'ai préparé en tuto et je tenais à vous le montrer tout décoré. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc ce sont des petites décos qui font partie des petits blocs de chez Action. Et puis ça, ce sont des dies que j'ai découpés. La tranche se présente comme ça, donc avec un petit grelot. Je vais peut-être le mettre même autrement, grelot, on verra. J'ai fait un petit nœud avec un ruban Vichy. Ensuite, alors l'intérieur se présente comme ça. J'ai découpé cette petite boule de Noël. Je vais peut-être mettre des paillettes après. Pour l'instant, j'ai laissé neutre. Donc là, on peut glisser des tags ou des photos. Ensuite, la première page. Donc, j'ai laissé le ruban libre pour pouvoir glisser des photos ou des tags. Là, c'est une pochette, pareil. On peut glisser photos ou tags. Là, j'ai fait exprès de ne coller que le bas et le côté. Donc, pour pouvoir mettre une photo. Là, c'est une pochette où on peut mettre un grand tag. Et mettre des photos sur le tag. Ensuite, là, rien de particulier. Voilà. Donc j'ai glissé un petit papier parce qu'en fait les pages sont retenues par de la ficelle, mais je vous expliquerai tout ça dans le tuto. Alors, et puis j'ai eu l'idée de passer un petit bout de papier, comme ça on peut mettre photos, des petites notes, des petits souvenirs de Noël. Là j'ai collé ma petite étiquette pour glisser des photos ou des tags. Là, il y aura des photos ici aussi, là aussi. Là, j'ai fait des petites pochettes, deux petits volets avec des pochettes pour glisser des photos ou la photo. Et puis au dos, vu que c'est blanc, je vais marquer un petit mot, un petit journaling. Donc, j'ai fait pareil avec celui-là. La photo, j'ai pas compté combien je peux mettre de photos dedans, mais on peut en mettre pas mal. Donc la photo aussi. Toujours ce système de pochette. Donc là, pareil, photo. Alors là, ça va être aussi une pochette pour mettre un grand tag ou glisser des petites notes ou mettre des photos. Donc là, j'ai refait le même principe avec une sorte de petit livret décoré. Donc soit pour des photos, soit pour des notes, et mettre les photos là par exemple. Ensuite, hop, donc là pareil, photo. Alors là j'ai fait deux petits tags que j'ai glissés dans les petites pochettes. J'ai arrondi les coins pour cela, pas les autres. Alors, voilà. Ensuite, donc là on mettra peut-être même rien parce que le papier est quand même assez chargé. Là j'ai fait une petite pochette où j'ai mis deux tags. Donc soit je mettrai un petit nœud, soit de la ficelle, je ne sais pas trop encore. Là ce sera pour mettre des photos, je pense, parce qu'en fait on pourra en mettre plusieurs. Ensuite là c'est pareil, photo, toujours ce système de petits livrets que je trouve sympa en fait. Encore une photo, et là une dernière photo, et puis là je pense que je ferai comme devant, comme la première page. Là je ferai je mettrai une petite étiquette pour pouvoir y glisser des petites notes ou des photos ou des tags. On verra en fonction du nombre de photos. Celui-là va rester là. Donc voilà, le petit album fermé vu du dessus. Le dos, rien de bien transcendant, puisque je pense que je décorerai. Alors tout dépend si je l'offre ou si je mettrai les photos de Noël de cette année. Donc je mettrai un petit mot derrière. Donc voilà, je vous remonte la tranche. Et puis alors l'album, j'ai pas compté vraiment combien on pouvait mettre de photos. Donc voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu, que le petit album vous aura plu. Vous aurez bientôt le tuto.
Voilà, alors, je me répète, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de mes dernières notifications. Bye bye.